On est évidemment, on pense un petit peu à Poliakov, à ces gens-là. On est tout à fait dans l'époque, puisqu'on peut imaginer ça vers 1948. Sévaco travaillait en vase clos, sans communication avec l'extérieur. Parce qu'un beau jour, il lui dit: « Mais écoute, Françoise, tu ne trouves pas que j'ai vu des toiles de l'autre jour d'Estève, qu'il y a un petit rapport avec ce que je fais? Autrement dit, que ce n'était pas Sévaco qui a copié Estève, mais qu'il y a eu un mouvement comme ça de recherche qui, chez certains artistes, se sont trouvés au même moment, sur la même voie. » Là maintenant, il s'agit d'une composition un peu plus récente. On retrouve par rapport au précédent la même construction, les mêmes architectures. On remarque que les applications de peinture se font plus régulièrement, sans recherche d'effet. L'acrylique, matière qu'il avait découverte vers les années 70 et qui correspondait beaucoup plus à sa recherche de transparence et de fluidité de matière. Alors là, la décennie change, nous sommes dans les années 80, exactement 87. Comme toujours, cette palette de couleurs primaires, ces rythmes de hachures, de petites taches qui apparaissent comme ça, laissant malgré tout en découpe de blanc des surfaces. Ça, on est dans le Sévaco des périodes à la période 90, pleine maturité, avec ses taches noires et énormément de sobriété dans la palette. Alors là, au contraire, c'est très construit, avec une palette très particulière, un peu pastel. On est dans les années 77, où on retrouve donc encore ces sinuosités blanches, une composition comme ça là qui n'est pas noire mais blanche, avec toujours ces petites lignes comme ça, et puis ces réserves en rouge, un rouge un peu plus sombre là, ce joli bleu brossé, et puis cette pastille verte, les mauves qui sont splendides, ce bleu vert.